Docteur Kamano, docteur Joseph, s'il vous plaît. MC, docteur. La sous-préfecture de Rorira, mon grand frère, notre aimé frère, Sori, Supréma Sori, Bangoura Bebel. Monsieur le maire est accompagné par deux de ses vice-maires. Le premier, c'est monsieur Sédouba Camara, premier vice-maire de la commune. Et les trois vice-maires de la commune, communaux, et les conseillers du district de Tambosou. Laissez-moi vous dire que c'est le lieu de saluer tous les efforts du président du district de Tambosou. Il mérite d'être applaudi, s'il vous plaît. Le président du district de Tambosou n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette organisation. Je suis aussi certains présidents des différents quartiers de la commune urbaine de Doubreka. Il s'agit de M. Yamoussa Pario Bangoura, président du quartier de Kelende. Il est aussi le président du district spécialisé de football de Doubreka. Voilà, ce monsieur mérite d'être salué aussi. Il est accompagné de notre grand frère, le responsable du groupement Lamafé que vous entendez à Doubreka, mon grand frère Ibrahima Sori Kamara Pereira. Il y a aussi la présence du commandant de la gendarmerie de Rorira, M. Hamid Salim Soare. À cela s'ajoutent tous les sages de Rorira, les femmes leaders, les jeunes dames. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir. Ainsi, nous avons la délégation du Afia Football Club. La délégation est conduite par M. Ibrahima Sori Gueye, président délégué de Afia Football Club, et accompagné par M. Marco Ibrahima Sori Ba, secrétaire général du club Afia Football Club. Toujours dans la même délégation, nous avons M. Amadou Fofana. Il est président des supporters du club Afia Football Club. Nous notifions M. Sekouna Camara, journaliste attaché de presse du football, du Afia Football Club. Une équipe de la presse nationale présente parmi nous ce soir à Rorira. Vous avez d'autres membres de la délégation, rang et comment dire statut, toutes catégories confondues. Vous avez nos remerciements et notre salut de bienvenue. Monsieur le général du Afia Football Club de Conakry, Monsieur le Président de l'association de Afia Guigui de Doubreka, distingués invités, Monsieur les membres du Conseil communal, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais, au nom des membres du Conseil communal de Rorira et de l'ensemble des paisibles populations, souhaiter la bienvenue. Bien agradecer nous à M. Kerfa, la camarade KPC, et à toute sa proche qui l'accompagne à cette séance. Monsieur le président de l'association Afia Guigui de Doubreka, je voudrais également vous saluer et vous féliciter pour avoir eu l'initiative de créer une association
devant promouvoir les activités sportives dans notre pays en général, et en particulier dans la préfecture de Douala, par conséquent dans la commune rurale de Douala. Monsieur le Président de l'AFIA Football Club, PDG de Micopress, je voudrais nommer nos dignes de Guinée, Monsieur Terfala Camara, Kapissi, le PDG de Micopress, les plaisantes populations de Kamitaï par ma voix, vous remercie indéfiniment pour avoir choisi, compté votre choix sur vous à travers la réalisation de ce gigantesque chantier, le centre sportif apprécié de Kamitaï. Dans quelques années, les plus grands footballeurs proviendront du Douala et, sans nul doute, de la commune de Douala. C'est donc un atout majeur pour la jeunesse de notre territoire, mais aussi les retombées de près ou de loin seront au bénéfice de l'ensemble de la population qui nous fera le centre de la ville. Monsieur Carfara, Hafia en souffre de dire de joie, allégresse, épanouissement, bonheur en soi. C'est donc cette joie que vous donnez au peuple de Guinée en pérennisant le Hafia Football Club des années 77. Ce club a fait la gloire du football en Guinée et en Afrique. Sans nul doute, cette gloire sera maintenue grâce à votre abnégation à tenir au haut le drapeau de ce fantastique club de Hafia. Monsieur Terfala, nous avons en mémoire certaines idoles qui ont fait la gloire de Hafia. Je voudrais nommer entre autres Ibrahim Wassoui Keta du Petit Soum, Kam Ousmane Kone, Souma Sourba Idanti, Chérif Souleymane, Maxime Camara, Papa Camara et Jean Passe. Pour terminer, nous remercions encore une fois M. Bourhan et ses amis pour leur belle initiative à créer l'association Hafia Ndidi de Douala. Vive le président de Hafia Football Club de Conakry. Vive l'association Hafia Ndidi de Douala. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de Rorila, Monsieur le maire de la commune rurale de Rorila, Monsieur le président du district de Rorila et ses conseillers, Mesdames et Messieurs les conseillers de la commune rurale de Rorila, Mesdames et Messieurs distingués invités, Monsieur le secrétaire général de Hafia Football Club, la légende continentale, Monsieur le président délégué représentant de Monsieur le président de Hafia Football Club, je vais nommer Terfala KPC Kamara. Monsieur le président du Bureau national des supporters de Guinée du côté de Hafia Football Club. Distingués invités, Monsieur le président du district spécialisé de football de Douala, Monsieur le secrétaire général de Douala Lambaté, ici présent, l'ensemble des membres de Hafia Ndidi de Douala et de l'ensemble des communes rurales de la préfecture de Douala. Distingués, permettez-moi tout d'abord de souhaiter au nom de l'ensemble de l'association Hafia Ndidi de Douala et à mon nom propre de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail de la mission de M. Terfala KPC Kamara, président de Hafia Football Club, la légende du football continental. C'est le lieu de remercier les laborieuses populations de Rabitaï, de Tabonsou et celle de la préfecture de Douala. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la localité de Rabitaï, où nous sommes pour tous. Kamama,
cette cérémonie de validation de liste des membres du bureau exécutif de Afia Ligi, qui nous réunit ici cet après-midi, va être une aubaine pour les milieux des jeunes sportifs, encadreurs et fans du curon, de servir leurs multiples ambitions du centre sportif KPC de Walida et une illustration forte, remarquable, hautement appréciée par les braves populations de la Guinée et en général et celle de Dubéka en particulier. La jeunesse de Dubéka et celle de la commune rurale de Walida soutiennent les nombreuses actions de leurs confrères, bienfaiteurs, nos serviteurs du peuple de Guinée. Permettez-moi d'affirmer ici sans démagogie que notre campagne KPC est une fierté et un don pour la jeunesse guinéenne. La sous-préfecture de Walida qui nous reçoit et nous soutient dans l'atteinte de nos objectifs, à la fois une vitrine et une curiosité pour d'autres préfectures à cause de sa position géographique et ses nombreuses potentialités touristiques. Monsieur le maire de la commune rurale de Walida, monsieur le sous-préfet, distingués invités, la jeunesse sollicite humblement des personnes de bonne volonté et de vous prêter particulièrement un appui pour l'achèvement des travaux du stade sous-préfectoral de Roya. La construction des voiries, la clôture du centre de santé, la réhabilitation du site touristique qui est toujours recherché, mais également l'achèvement de la maison des jeunes qui se trouve aujourd'hui en chantier. Je ne saurais terminer mon allocution sans rendre un brillant hommage aux autorités sous-préfectorales et communales de Walida pour leur attention à la jeunesse, mais également à vous, M. Kerfana, KPC Canada et sa suite. Et ensuite, nous le remercions de l'intérêt et des grandes infrastructures privées et publiques réalisées pour le territoire de Sumba Toumani. Vive le club Afia FC, la légende du football continental. Vive le bâtisseur Kerfana Person Kamara. Vive la sous-préfecture de Walida. Vive la jeunesse de la sous-préfecture de Walida. Que Dieu protège la Guinée et le Guinéen, je vous remercie. Kamara, président du bureau. Monsieur Ibrahima Bangoura, secrétaire général. Monsieur Ousmane Bawa Bangoura, premier trésorier. Nafan Bana, monsieur Youssouf Babara Silla, deuxième trésorier. Nafan Bana, monsieur Abakar Boko Kamara, chargé de la communication. Karim Souma, chargé de la communication. Djenabou Baldé, chargé de la communication. Nanou Bana, monsieur Abdourahmane Baldé, chargé de la formation. Mamadou Sadou Diallo, chargé de la formation. Nanou Bana, Ibrahim Tondon Silla, chargé de la formation. Concrètement, Sorona Bangoura, chargé de football féminin. Fatmata Sissé, chargé de football féminin. Pana Fatmata Sissé, chargé de football féminin. Alhaji Mamoudou Bangoura, chargé de foot féminin. Mamadouba Momo Silla, chargé relations extérieures. Mamadi Bissiri Bangoura, chargé relations extérieures. Ousmane Tolo Fofona, chargé relations extérieures. Mohamed Lamine Kamara, chargé des affaires sociales. Kamara, chargé des affaires sociales. Ben Bangoura, chargé des affaires sociales. Maulay Kamara, chargé de la mobilisation et animation.
Souleymane Barry, chargé de mobilisation et animation. Mohamed Lamine Mochon, chargé de mobilisation et animation. Ousmane Cissé, chargé de la logistique. Mafouri Camara, chargé de la logistique. Lamine Degema Silla, chargé de la logistique. Mohamed M.C. Camara, chargé de la santé. Docteur Amara Silla, chargé de la santé. Pana Alsen Souma, chargé de la santé. Bangoura, chargé des relations extérieures. Nanubana Abbakar Bruno Camara, chargé du suivi et évaluation. Sana Sanoussi Bangoura, chargé suivi et évaluation. Alsen Silla, chargé suivi et évaluation. Abdou Karim Diallo, chargé de la sécurité. Nanubana Fode Amadou Camara, chargé de la sécurité. Abakar Ma Camara, chargé de la sécurité. Fode Silla, chargé de la sécurité, enfin. Distingué hôte, monsieur le président délégué, monsieur le secrétaire général du Hafia, monsieur le vice-président du bureau des supporters du Hafia, monsieur le secrétaire général du bureau des supporters du Hafia, le chargé d'animation, que cela soit porté à votre honneur. Voilà le distingué bureau que la sous-préfecture de Borina a bien voulu ménager pour le Hafia Football Club et que cela arrive au président, M. KPC, personne Camara. Monsieur le maire, toutes les autorités de la préfecture de Dubreka, population de Dubreka, au nom du bureau exécutif du Hafia, au nom du président Kerfala Camara, KPC, représenté ici par le président délégué Ibrahima Sorigué, je valide ce bureau qui sera un relais du comité national des supporters du Hafia, représenté ici par son président, M. Amadou Fofana. Donc, l'association Hafia Nidi est un relais, une partie intégrante du comité national des supporters du Hafia, sur lequel nous allons désormais reposer pour toutes les activités liées à nos supporters au niveau de la préfecture de Dubreka. Et je profite de cette occasion pour remercier Bram, le président de l'association Hafia Nidi, pour la petite histoire. Je crois qu'il est venu me voir pour me proposer ce projet. Je lui ai dit vas-y. Et il est parti. Je crois qu'on est allé très vite là-dessus parce que le jour où on a organisé la visite guidée, inspirée par le président KPC à l'Académie de Rorira, je crois que tous les médias étaient là et le monde entier en parle aujourd'hui. Et depuis ce jour, le président KPC a été décrété premier investisseur de football en Guinée. Et c'est désormais une réalité. Et je voudrais que les populations de Borira soient réceptives, qu'elles sachent que nous sommes vraiment à leur côté. Tout ce qu'on peut faire, c'est évident, le président KPC, qui est né, qui a grandi, qui a eu tout ce qu'il a eu en Guinée, c'est quelqu'un qui aime la Guinée, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment tout faire pour les Guinéens parce qu'il aime investir en Guinée. Donc aujourd'hui, on peut dire que Dubreka est un pôle économique, disons une préfecture avec beaucoup d'industries, des centres, disons, de football, mais nous, notre académie vient donner un autre point, une autre dimension, une autre image à la préfecture et je pense qu'il revient de droit aux populations de comprendre ça. Et aujourd'hui, à travers le mouvement associatif Hafia Nidi, nous sommes très heureux et très contents de constater qu'ils ont reconduit malgré la pluie, malgré surtout le retard que nous avons accusé dû à tous les aléas que vous connaissez. Et je voudrais que les populations applaudissent pour elles-mêmes et qu'elles soient vraiment remerciées au nom de tous les députés. Avant que le président délégué ne prenne la parole pour le discours réponse du maire, je voudrais encore une fois remercier la presse qui a fait la grande mobilisation et ça a toujours été comme ça avec la FIA. Nous sommes vos partenaires privilégiés, vous êtes nos partenaires privilégiés, je tiens à le dire à toutes les occasions, et c'est important pour nous, c'est important pour tout le monde ici. Et je vous remercie de l'attention. Je dis encore une fois, l'association Hafia Nidi est une partie intégrante du comité des supporters du Hafia. Donc c'est notre relais ici et c'est très important, c'est un bureau validé.
Et il n'y a aucun problème. Je vous remercie de l'attention. Je vais passer la parole au président délégué qui va avoir le discours de réponse des autorités bienveillantes de Orira et de la préfecture de Dubrika. Merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs les autorités administratives et militaires de la préfecture de Dubrika, mesdames et messieurs les sages de la population, messieurs les membres du bureau Afia Libye, permettez-moi d'abord de présenter toutes les excuses du président Kefala Kamara pour son empêchement. Il aurait bien voulu venir partager cette cérémonie avec vous, mais malheureusement, son emploi du temps n'a pas terminé. Mais il me charge de vous dire solennellement merci, merci pour avoir créé cette association et merci de l'accompagner, n'est-ce pas, pour remettre le Afia encore sur le droit chemin. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, vos discours sont tombés dans de très bonnes oreilles et nous allons les transmettre fidèlement. J'aimerais insister plutôt au niveau du bureau qui vient d'être validé ici. Le bureau des supporters, comme disait tout à l'heure le secrétaire général, c'est un bureau relais de notre bureau national des supporters. J'aime toujours rappeler la devise de ce bureau, nous gagnons dans la dignité, nous perdons dans l'honneur. Nous sommes une équipe de fair play, nous acceptons la victoire comme nous acceptons les défaites dans l'honneur et la dignité. Donc je pense que ce bureau-là va bien s'imprégner de cette philosophie et essayer de perpétuer, n'est-ce pas, cette légende pour ce comportement. Merci encore pour l'accueil et merci pour la confiance placée au AFIA et particulièrement au président Kefala Kamara. Merci beaucoup.